Kouyaté qui va dégager ce ballon loin devant la poitrine de Salif Kouba. Ce sera une touche rapidement jouée par Alpha Kalidou qui essaie de trouver Baga. Baga qui... Le centre va dans la surface et la tête et le but. Oh, le but pour l'Oroya. Il est signé Salif Oubaga. On le sentait venir ce but. Et les points de Koléa qui surprend l'Oroya de Conakry. Et moi je me disais qu'il y avait beaucoup de joueurs expérimentés dans cette formation de les défendre de Koléa. Quand vous prenez Aliou, le jeune Aliou Paris qui est un international. Le cadre de Kamfouri Bangoura Lapé qui a fait pas mal de matchs aussi en Ligue 1 avec Atlético de Koléa. Mettre ce ballon hors du champ de jeu. On n'était pas quand même loin de la sanction là sur ce joli contrôle de Salif Oubaga qui s'est amené ce ballon entre les deux défenseurs centraux et qui finalement a été déséquilibré dans cette surface de réparation. C'était bien l'arbitre de la part d'Abel Sekoutou. D'accord. Devant le central, les calumistes qui vont récupérer le ballon par le capitaine. Attention, Tagawara qui va récupérer le ballon justement, qui va chercher un de ses partenaires, il gagne le soutien. Mister, le numéro 21 maintenant, qui va changer, il n'y a pas de faute. Alors c'est une opportunité pour les Calumis, il y a 4 contre 3, non. Il y avait trop de monde pour tirer. Alors mauvais contrôle de Ben, qui va profiter à Bangoura Salifou, qui va partir. Oh là, il y a photo. Le jeune Moussa Camara qui va se dégager comme il peut. La Escaloum encore dans le camp du Oreo de Conakry. On va mettre le ballon de Jipita Ebele de la tête. Dégagement, la Escaloum. Le 14 maintenant. On va suivre encore. La Escaloum qui revient. Attention! Le but! Le but de la Escaloum! Allez! On va voir le temps à la 86e minute de jeu. Quel gros... précis dans le jeu de cette équipe du AFIA. Bah, au moins, de leur côté, il y a une volonté de vouloir... le décalage sans doute va accélérer. Il y a beaucoup de ballons perdus, hein. Ils sont oui, pas précis dans les transmissions. Ils arrivent à enchaîner, mais dès qu'ils s'approchent du but de la SK, ça devient beaucoup plus compliqué. Oui, Salif Bangoura, la passe à profondeur, répétée à l'ouverture du score. Tunisien de ce club de la SK, mais ce qui est étonnant, sur la fin de match, nous avons quoi avec Denis comme entraîneur. Oui, c'est lui l'entraîneur. Attention, on va suivre cette action. Kabongo est à la surface de réparation. Malheureusement, c'est un début dans la Ligue professionnelle. Attention, Aboubakar Yanga, la passe en profondeur, attention, le centre tir. Oh, il est vert et blanc qui accélère. Finalement, c'est Salifou qui a décroché, Salifou Bangoura qui va accélérer, il va contourner la défense, le très bon retour. On va envoyer de la tête avec Neskaloum et Yanga. Forcer la situation, voilà, renforcer la situation. Il faut revenir. Et autour de lui, le centre, attention pour le pénalty. Il n'y a pas de solution, tu vois, Koutoukou là-dessus, c'est là le problème, il n'y a pas de solution, il est scellé, il ne peut trouver chez qu'une bouche.